l'armée des Grecs déferle sur les remparts de Troie. Agamemnon, le roi des rois, l'a vu en rêve. La cité de Priam sera prise aujourd'hui. Ce rêve est un message des dieux. Et il a ranimé le courage de ses hommes. Qu'importe si le plus puissant des Grecs, Achille, s'est retiré sous sa tente. Zeus et les Olympiens ont décidé d'offrir la victoire à Agamemnon. En face, les Troyens, commandés par Hector et Paris, s'apprêtaient à lancer l'assaut contre ces Grecs dont ils savent qu'ils sont désormais privés de celui qu'ils considèrent comme leur fléau. Achille était pour Troie le désastre suprême. Les deux armées s'élancent l'une contre l'autre. Tous sont certains d'emporter la victoire. Le choc est terrible. Les javelots fendent l'air. Les épées se fracassent contre les boucliers. Les corps roulent dans la poussière. Des cris d'une sauvagerie inouïe montent jusqu'au ciel. Sur l'Olympe, les dieux n'ont rien perdu de la scène qui se joue au pied des murailles de Troie. Héra et Athéna sont sidérés. Agamemnon a-t-il perdu la tête? Il court à sa perte. Quelle folie l'a fait se précipiter contre les troupes ennemies, alors que depuis des jours, les Grecs sont affaiblis par les flèches d'Apollon et que leur principal guerrier, Achille, s'est calfeutré sous sa tente. Héra et Athéna s'apprêtent à quitter l'Olympe, à s'élancer au secours de leurs héros, les Grecs. Apollon, Artémis et Aphrodite bandent leurs arcs, prêts à secourir les Troyens. Mais Zeus les arrête d'un geste impérieux. Il interdit désormais aux dieux de se mêler du combat des hommes. Mieux, il leur commande d'assister, depuis les hauteurs de l'Olympe, à cette joute qui, pour le moment, voit Grecs et Troyens s'anéantir les uns les autres, sans qu'aucun des deux camps ne l'emporte. Mais soudain, Zeus lui-même marque un mouvement de surprise. Car deux hommes viennent de se reconnaître au cœur du combat. Autour d'eux, le silence se fait. Tout comme les dieux, les guerriers regardent ces deux-là se défier. Ménélas fait face à Paris. Ménélas ne dit rien. La rage monte en son cœur. Il avance d'un pas lourd vers ce jeune homme qui vient vers lui sans trembler, peau de panthère jetée sur l'épaule, arc en bandoulière, épée à la main. Alors Hector s'interpose. Face au redoutable Ménélas, élevé pour la guerre, son jeune frère n'a aucune chance. Mais Paris ne le laisse pas parler. Il désigne les cadavres autour d'eux. Les blessés qui agonisent, la terre de Troie gorgée de sang. Afin d'épargner des vies innocentes, il affrontera Ménélas en combat singulier. Après tout, c'est une querelle entre deux, l'époux délaissé et l'amant choisi. Celui qui remportera la victoire remportera tous les trésors et conduira Hélène chez lui.
Hector lève les yeux au ciel. Encore Hélène. Son frère n'a-t-il donc pas compris qu'Hélène n'est qu'un prétexte? Il accable Paris. Il ne voit qu'Hélène, ne pense qu'à Hélène, ne vit que pour Hélène. Alors que c'est la cité troyenne qui est la cible de l'assaut des Grecs. Mais déjà, Agamemnon les a rejoints. Il sourit et accepte la proposition de Paris. Si Paris vient à tuer Ménélas, qu'il garde la belle Hélène et tous les trésors des Grecs. Ceux-ci reprendront la mer et rentreront chez eux. Mais si Ménélas triomphe et tue Paris, alors les Troyens devront rendre Hélène et payer de tous leurs trésors les âmes des guerriers grecs venus venger l'honneur du vainqueur. Paris et Ménélas acceptent. Hector et Ulysse lancent les dés vers le ciel. Le résultat décidera lequel, du grec ou du troyen, portera le premier coup de javelot. C'est Paris que le sort favorise. Dans les deux camps, règne un silence absolu. D'un côté, l'armée troyenne, veillée depuis les hautes murailles par le roi Priam. De l'autre, l'armée grecque, devant laquelle se tient le roi des rois, Agamemnon. Les dieux, sur l'Olympe, retiennent leur souffle. Paris vise son adversaire et lance son javelot. Ménélas ricane. Il tient sa proie. À son tour, il lance sa pique. Ménélas, déchaîné, se rue sur son ennemi. Paris est vaincu. Les Grecs, unis dans la même ferveur, acclament Ménélas. Ils exultent, car avec la mort de Paris, la guerre de Troie est terminée. Ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Paris est en sang. Ménélas le laboure de coups. Rien n'entrave sa colère. Mais soudain, une brume venue de nulle part enveloppe les deux combattants. Pendant quelques instants, Paris et Ménélas disparaissent à la vue de tous. Et lorsque le nuage se dissipe, Paris n'est plus là. Abasourdi, Ménélas frappe dans le vide. Tout le monde cherche le fils de Priam. Nul ne comprend comment il a pu s'échapper. Ménélas va, vient, bouscule les soldats des deux camps. Aucune trace de Paris. Nul ne comprend, sauf les dieux. Héra et Athéna ont tout de suite saisi. Il manque un dieu sur l'Olympe, Aphrodite. La déesse s'est éclipsée et c'est elle qui a fait naître cette brume autour des deux guerriers. Dérobant Paris aux yeux de son meurtrier, elle s'est interposée entre les deux hommes, a soulevé le jeune Troyen et l'a emporté jusqu'à son lit, dans son palais, à Troie. Héra et Athéna écument de rage. Elles désignent la chambre parfumée de Paris, où tous les dieux peuvent le découvrir, sain et sauf, allongé sur son lit.
Hélène, prévenue par la déesse, l'a déjà rejoint. Zeus ne bouge pas. L'affaire est claire, tranche-t-il. La victoire revient à Ménélas. La guerre est donc terminée. Aphrodite lui a désobéi en intervenant en faveur des Troyens. Et si Paris a la vie sauve, il a perdu le combat qui l'opposait au roi de Sparte. Ainsi s'achève une guerre de 10 ans. Et ainsi jubile Zeus. Car il a réglé tous ses problèmes, sans désavantager aucun des dieux ombrageux sur lesquels il règne, pense-t-il. Héra et Athéna soutenaient les Grecs. Qu'elles soient heureuses, puisque leur héros l'emporte. Apollon et Artémis défendaient les Troyens. Qu'ils s'en prennent à leur allié, la déesse Aphrodite, puisqu'en dérobant Paris à l'épée de Ménélas, elle est cause de leur défaite. Et que Thétis soit heureuse aussi, puisque son fils Achille ne mourra pas au combat, qui s'achève sans qu'il ait besoin d'y prendre part. C'est alors que Héra se dresse face à Zeus, en proie à une rage sauvage. Derrière elle se place Athéna, et aussi Poséidon, le dieu des océans, qui a compris que Thétis a poussé Zeus à prendre le parti des Troyens et ne supporte pas que son autorité puisse être bafouée par une nymphe. Et Arès, le dieu de la guerre, qui jusque-là ne soutenait que ceux à qui la force des muscles offrait la victoire. En face d'eux, Apollon et Artémis, les jumeaux de l'Olympe, font bloc. Héra invective Zeus. Ce n'est pas la victoire des Grecs qu'elle désire, c'est la ruine de Troie. Qu'il ne demeure plus une seule pierre de la cité qui lui a préféré Aphrodite. Tous les dieux se mettent à accabler le maître de l'Olympe. Héra adresse alors un signe à Athéna. Discrètement, la fille de Zeus quitte l'Olympe. Elle descend vers la plaine et se faufile dans les rangs des Troyens. Athéna est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de la ruse. Puisque Zeus les a tous dupés, alors elle dupera Zeus, les dieux et les hommes. Athéna se met en quête d'un archer. Du meilleur archer parmi les soldats de Troie. Le voici. La déesse lui murmure à l'oreille. Pense à ce que sera ta gloire si tu tues Ménélas. Là, maintenant. Envoûté, l'archer n'hésite pas. Camouflé derrière les boucliers de ses compagnons, il vise le roi de Sparte. Aussitôt, une clameur outrée monte des rangs grecs. Sacrilège. Les Troyens ont rompu leur promesse au moment où Paris, à terre, allait être tué par Ménélas. Le pacte est rompu. Agamemnon n'attendait que cela. Il désigne son frère à terre, blessé, excite l'ardeur de ses guerriers. Et la bataille reprend aussitôt, plus sanglante que jamais. Le combat est sans merci.
La journée avance et aucun des deux camps ne semble l'emporter. Sinon Hadès, le seigneur des enfers, qui, lui, fait le compte des morts. Alors, Athéna a une idée. Il faut trouver chez les Grecs un guerrier invincible, capable de faire basculer la bataille. Un guerrier aussi fort qu'Achille, qui refuse toujours de participer au combat tant que ne lui sera pas rendue sa captive, Briseis. Un guerrier hors pair. Ajax, le géant qui se bat à coups de masse. Le rusé Ulysse, le roi d'Ithaque? Non. Diomède, le roi d'Argos. De tous les rois venus de Grèce faire la guerre à la cité troyenne, il est l'un des plus jeunes et l'un des plus courageux. Athéna retourne sur le champ de bataille. D'une main, elle effleure le front du guerrier grec. Par ce geste, elle vient de lui accorder un don unique, celui d'être capable de voir les dieux habituellement invisibles aux mortels. En un éclair, voilà Diomède métamorphosé en un taureau furieux. Il sent ses forces décuplées, et c'est un véritable massacre qui commence. Les uns après les autres, les soldats troyens tombent sous ses coups. Deux des fils de Priam sont à terre. Les Troyens reculent et les Grecs acclament le jeune roi d'Argos. Le voici devant les portes de Troie. Et devant lui se dresse Énée. Énée, fils d'Anchise de Troie. Cousin d'Hector, l'un des meilleurs guerriers troyens. Redoutable au combat. Redoutable, car redouté de tous. On dit qu'il n'est pas seulement le fils du vieil Anchise, mais que ce dernier, du temps de sa splendeur, fut l'amant de la déesse Aphrodite. Et sur Terre comme sur l'Olympe, chacun sait que si Aphrodite soutient Troie depuis le début de cette guerre, c'est autant pour sauvegarder l'union de Paris et d'Hélène, dont elle est l'instigatrice, que pour veiller sur son fils unique. Énée part les coups de Diomède. Il résiste à l'assaut furieux du Grec. Diomède est désarmé. Mais voilà qu'il saisit une pierre monstrueuse qui broie la hanche d'Énée. Diomède reprend sa lance et s'apprête à porter le coup fatal. Mais une nouvelle fois, la brume monte depuis le sable rouge de sang. Soudain, Aphrodite, invisible aux yeux des mortels, paraît sur le champ de bataille. Diomède, lui, la reconnaît aussitôt. Aphrodite, lui, un mortel, contemple en sa splendeur la plus belle des déesses, et il ne tombe pas foudroyé. Aphrodite soulève doucement son fils aîné et l'emporte avec elle, loin du tumulte. Elle va disparaître lorsqu'Athéna surgit aux côtés de Diomède. C'est elle qui arme son bras. Le javelot fend l'air et se fiche dans le bras d'Aphrodite. La déesse est touchée. La déesse saigne. La déesse lâche son fils. Énée
retombe lourdement sur le sol. Aphrodite, sidérée, est seule, sans défense, devant Diomède, qui a dégainé son épée et s'avance vers elle, Athéna sur ses pas. Dans un ultime réflexe, Aphrodite serre Énée contre sa poitrine. À nouveau, Athéna arme le bras de Diomède. Il n'a pas le temps de l'abattre sur Aphrodite, car en un éclair, la déesse et son fils ont disparu. Apollon, le dieu de la lumière, vient de les soulever et il les emmène dans les airs. Sur l'Olympe? Non. Au sommet d'une des montagnes qui surplombe Troie, là où se trouve le dieu Arès. Arès a pourtant pris le parti des Grecs, oui. Mais Arès a surtout pris le parti d'Aphrodite. Depuis toujours, le dieu de la guerre aime la déesse de l'amour. Autrefois, ils furent amants. Et leur idylle avait fait l'objet d'un grand scandale sur l'Olympe. Aphrodite montre sa blessure à Arès et lui demande s'il l'aime encore assez pour lui prêter ses chevaux afin qu'elle regagne l'Olympe. Le cœur du seigneur de la guerre chavire. Sur un claquement de doigts, un attelage apparaît et Aphrodite s'élance vers la demeure de Zeus. Mais Arès ne s'arrête pas là. Il rejoint le champ de bataille pour venger Aphrodite. Sa fureur est immense. Son épée abat d'un coup sec et précis chaque Grec qu'elle croise sur son chemin. Personne ne semble voir ce guerrier d'une taille surhumaine. Personne, sauf Diomède. On assiste alors à un geste incroyable. Diomède, avec une téméraire impudence, attaque le seigneur de la guerre. Ce qu'Arès ne sait pas, c'est qu'Athéna, une fois encore, guide son bras. Voici Arès blessé. Pendant quelques instants, le dieu de la guerre, l'invincible dieu de la guerre, promène son regard sur le champ de bataille où règne un désordre indescriptible. Il regarde sa blessure, le sang qui coule sur son armure. Athéna qui le défie du regard. Diomède qui semble n'en plus pouvoir de fureur. Puis il s'élance et regagne l'Olympe. Zeus est là. Il a tout vu. Arès avance vers lui. Il lui montre son flanc percé, sa cuirasse en airain, maculée de son sang. Si les mortels font la guerre même aux dieux, cette guerre doit prendre fin. Il faut y mettre un terme. Le maître de l'Olympe ne répond pas. Il fixe Arès. Dans ses yeux, la même surprise muette, la même interrogation. Comment arrête-t-on une guerre? Arès va répliquer, mais il est interrompu par le chant d'une lyre qui monte du camp grec. Étonnés, les dieux se penchent au-dessus des nuages. C'est Achille. Achille, seul devant sa tente, sur le rivage. Achille joue, sourire aux lèvres.